Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Et profitez-en pour nous appeler 01 53 40 30 20. On va parler des trucs bizarres que font les corps humains et le vôtre. Hein, vous avez des trucs bizarres que vous avez sur le corps humain, vous nous dites. On en reparle avec David qui arrive, mais d'abord les pervers de Pamela. Bonsoir Pamela. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Pamela, t'as écouté le Clash? J'ai écouté des appels de Romano, oui. T'as trouvé comment DJ's Gag? Bah j'ai bien aimé moi, parce que j'aime bien faire la fête. Ah c'est bien, tu vois, DJ's Gag pour les toughers et les toffeuses, ça marche. Bah faut croire, ouais, mais on verra le résultat du Clash. Le résultat qui arrive dans un instant. Je découvre avec vous, j'ai pas regardé encore. Alors on écoute les pervers. Quand il arrive, je reste fidèle à Romano. C'est bien. Et à nos pervers, on est fidèles tous les vendredis soirs. On a donc mis la photo de Pamela sur plein de réseaux. Et voici les pervers de ce vendredi. Qu'est-ce que ça donne? On va commencer par un Didier. Oui, bonsoir Pamela, excuse-moi, Angers. Je suis Didier. Je serai sur Paris la semaine prochaine. Votre voix est très attirante et je voudrais qu'on se rencontre si c'est possible. Donc vous pouvez me rappeler au 06 25 29. Merci d'avance. Oh, il est classe, t'as vu. Semaine prochaine, un petit rendez-vous. Voilà, je suis sur Paris. Si je peux vous voir pour vous mettre une petite pété. Ouais, c'est ça. Non, mais il parle bien. C'est vrai que, tu sais, il fait à peu près normal, quoi. Bah, il fait normal. Tu le rencontrais bien, Didier, toi. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Mais souvent, ils laissent des messages comme ça, et puis quand on les appelle, les mecs, ouais, bah après, ils se transforment. Ouais, là, c'est tout à fait les mêmes mecs. Mais ouais, le mec, il dit quand même qu'il a craqué sur ta voix, c'est bon. Ouais, et ouais. Bah bon, écoute, le mec a un problème auditif. Un peu. Pourquoi? Arrive. Bah, elle est sensuelle, la voix. Ah oui, c'est terriblement. Pourquoi il aura pas écouté? Sensuelle. Bon. On met Didier de côté. Allez, on le garde, oui. On verra sur l'appel tout à l'heure, s'il répond tout à l'heure. Un autre. Oui, salope de 60. Bon. 1m77, 83 kilos, trop du cul bien ouvert, bouche très gourmande, aime la vulgarité, par SMS au début, au 06 37 22. Voilà. Trop du cul bien ouvert, ah ouais. J'ai noté trop du cul bien ouvert. En tout cas, il sait donner envie. Pour séduire une femme, de dégueuler. Est-ce que ça marche, trop du cul bien ouvert? Non, mais lui, il veut se faire mettre, non? Ah bah oui, c'est sûr, il a dit je suis une salope et tout. Il a mais il peut être une salope avec une femme. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Ah oui, c'est vrai Cédric. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Au moins, ouais. Eh bah, au moins. Oh, ah, peut-être même la plus grosse salope de France. Bah grave. Bon, Alain, donc Alain est chaud. Lui, on le met de côté. Parce que, ma bonne salope. Truc du cul bien ouvert, tu peux t'amuser peut-être avec lui. Tout à l'heure, on verra. On passe au troisième. C'est qui? Ouais, salut, je viens de voir ton annonce, je suis Vinice de Paris 13ème, écoute, ton annonce m'intéresse, donc rappelle-moi au 06 87 11. On pourrait peut-être s'amuser ce week-end, donc rappelle-moi, ciao. Putain, mais ils sont bien, ils sont en classe aujourd'hui, t'as vu? Entre, ah ouais, ils parlent bien, ouais, faut pas trop. Entre bon, Didier, ouais, peut-être bien s'amuser ce week-end. Non, mais il a envie de s'amuser ce week-end. Oui, c'est vrai que ça laisse pas de. Ouais, bah, bon, ça laisse pas de doute, oui, sur ce qu'il a envie, de faire, il a envie de te baiser. Mais bon, c'est bien, ça en fait trois qu'on met de côté. Vous avez vu, hein, sans faute, là, pour l'instant. Un autre. Bonjour, j'appelle une femme qui tient la queue. Voilà, je suis ton fils, 17,89. Voilà, ça. Il fait pas grand-chose, lui. Mais si, il cherche une femme qui aime bien la queue. Tu sais, il parle comme ça. Oui, mais il pourrait faire une voix encore plus sensuelle. Bonjour, j'attends une femme qui aime bien la queue. Voilà, je suis ton fils. Voilà, ça c'était son numéro de téléphone. J'aime bien la queue. Ah, lui fait ce qu'il veut. Mais tu vois, il est tout de suite un peu moins normal que les autres. Et tu sais qu'il aurait ma préférence là pour l'instant. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Parmi tous ceux qu'on a écoutés, je penche vers lui. Après, il y a Michel qui a laissé un message. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Bah ouais. Je suis la plus grosse salope du 9. Ouais, non, mais c'est bon, lui, j'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas? Il est moche. Attends, laisse finir d'écouter. Il pue le caca. Ah là, il pue pas le caca. Laisse finir le message de Michel. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Allez, vas-y. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Salut les filles. Il est juste bon, sucer des bites. Ouais, c'est ça, ouais, sucer des bites. Sucer de la bite. On peut comme ça, tu fermeras ta gueule. Est-ce qu'on peut finir d'écouter le message de Michel, a priori du 9-3, d'après ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça. On peut aller jusqu'au bout du message. Ah, merci. Quand même, on peut faire les choses correctement. Bon, allez. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Allez, vas-y. Mais le message. Laisse-moi finir d'écouter le message. Ah là. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Ah, t'es pas. Je suis la plus grosse salope. Allez. Du 9-3. Le
Le caca, c'est bon. Comment ça va être long, le message, là? Voilà. Ah ouais. Putain, ça donne envie de mourir. Ah, putain, je suis mort. Peut-être envie de mourir. Est-ce que tu veux rencontrer ce Michel qui t'a laissé un message? Non. Pourquoi non? Non, il a la gueule en biais, il a pris un mur dans sa gueule. Pas du tout, non. Et suce des bites. Il a peut-être gagné les clashs de soir aussi. Bon. Et suce des grosses tubs. Un autre message, mais un message de Michel encore. Décidément, on a beaucoup de Michel. Et Michel. Qui nous laisse des messages. Oui, bonjour. Michel, j'ai 55 ans et j'ai lu votre annonce. Et je serais intéressé, moi, par une jeune femme comme vous. Puisque j'ai de l'expérience et je peux vous en faire profiter. Alors, si vous voulez bien me rappeler et être discrète, au 06 84 11. Sinon, bonne journée. Bon, voilà, on a eu un autre Michel. Sinon, il y a beaucoup de Michel. C'est Michel. Excusez-moi, j'ai encore un autre message d'un Michel. Ah, bah, décidément. Il y a encore un Michel qui a laissé un message sur le répondeur de Pamela ce soir. C'est Michel au téléphone. Ah, putain, il est chaud, Michel. Salope du 9-3. Ah, bah, décidément, hein. Ah, je crois qu'il veut. Ah, bah, génial. Écoute. C'est Michel au téléphone. Ouais. Tout de suite. Ah, bah, génial. Ah, bah, il est chaud sur Pamela, surtout. Ah, il est chaud, hein. Le caca, c'est bon. Très bien. Je crois que tu l'as excité, Pamela. A priori, il est scato. C'est le retour de Michel au téléphone. C'est Michel au téléphone. Ce qui expliquerait son haleine. T'es bien euro. Chacun son truc, hein. Bon, tu as trois Michel, va falloir choisir parmi les trois, hein. C'est compliqué. C'est dur. Bon, un autre, lui, il n'y a pas de prénom, tiens. Oui, bonjour, bel homme marié de 48 ans, grand, 1m90, aux yeux bleus, recherche une aventure avec une femme de tout âge, minimum 20 ans, maximum 55 ans, pour des aventures discrètes. Rappelez-moi 06-72. Non, 72, c'est pas Saint-Étienne. Ah, il a dit 72. 04-72, il a dit. C'est son numéro, je crois. 50, ah non, 06-72. 55 ans. Non, mais ce serait plus de, je sais pas, Savoie ou... Ah, peut-être, ouais. Ouais, non, c'est pas 55 ans, Saint-Etienne. Ah oui, t'as raison, c'est pas ça. C'est plus classe, tu vois, un peu... Oui, si on veut. 55 ans, c'est plus comme ça. Et on finit avec Franck, qui nous a laissé un message. Allez, Franck. Oui, bonjour, je m'appelle Franck et je recherche une grosse question pour nous laisser par téléphone. Mon numéro est 06-01-34... Voilà, il resserre donc une grosse cochonne. Ah, parfait, ça. Pour faire l'amour par téléphone. Bon, ben parfait, on a ce qu'il faut. Allez, voici les pervers donc sur le répondeur et on est en train de draguer sur tous les réseaux ce soir. C'est ça. Donc vous savez comment ça marche. On va récupérer les photos, on les matera tout à l'heure, on vous décrira tout ça. Et puis Pamela, avant minuit, devra serrer. Ouais. Préparez-vous, dans un instant, on va découvrir le corps de David. Parce son corps qui réagit de manière bizarre. C'est pas une particularité physique qu'il a, David. Hein, Mathieu, il est avec nous, on va lui dire bonjour. Bonjour David. C'est l'heure de Pamela maintenant. Allez, en amont. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. Allez Pamela, il est pervers de cette semaine. On a écouté le répondeur de Pamela, les pervers du répondeur. Oh oui. Et là, je vais récupérer les photos. Allez, énormément de sexe. De l'homme, de la bite. Ah ouais, là, il y a de la bite. Alors, j'ai du sexe. Bah là, c'est pas une bite. Il est chauve. Ouais, après. Il a pas une tête de gland, mais c'est Pat. Pat qui a envoyé une petite photo. Bon, une tête normale. Enfin. Une barbichette, quoi. Ouais, une barbichette. Alors, on a Stéphane. Stéphane. Mais c'est vrai que la gueule est à peu près normale, quoi. Je comprends pas la photo de Stéphane. Tu me dis si tu comprends, Manon. Stéphane, je vois qu'il est devant son ordi. Il a bite à la main. Ah, une bite à la main. Ah bah oui. Bah oui, c'est sa main, ça. Et sa bite. Ça, c'est sa bite avec l'autre main. À l'autre main. Et là, c'est son ventre, avec le nombril. Ah ouais, d'accord. Et ses tétons. Le mec, il a fait une photo avec un appareil de 1990. Il est en haute résolution, effectivement. Ouais, ou c'est une webcam ou quoi, c'est chelou. Ah ouais, là, le mec, il a une putain de webcam de merde. Alors lui, il a une tellement grosse bite qu'elle ne tient pas sur l'écran. Il l'a sortie de son jean, puisqu'on voit la braguette. Et on voit pas le gland, parce que, a priori, il a une... Ouais, ou alors il s'est pas photographié. Ah si, son pseudo, c'est 23 sur 8. Donc en effet, ah ouais, il est un bon gigot. Ouais. Très très grosse bite. T'as Cédric, ça, tu te régales avec ça. J'imagine même pas. Alors il y a Lies aussi qui a envoyé une photo de sa bite. Alors elle est toute chelou sa bite parce qu'elle est. Elle est, comment dire, toute fripée, mais fripée horizontalement. C'est une espèce de très. C'est écœurant. C'est écœurant. Ouais, faudrait qu'il la repasse quoi. Faudrait qu'il repasse sa bite. Écœurant. C'est qui lui? Bi pour Dial. 55 ans. Lui est pas mal, il est chaud. Ah oui, bah lui il est chaud, regarde. On va commencer par lui, je pense. Mais qui est. Lies qui renvoie une photo de sa bite qui est toujours aussi fripée d'ailleurs. Mais je sais pas, il tire là, tire dessus, tu sais, pour. Et là, il y a Loïc, il a du blanc. Alors, Loïc qui bande comme un porc et qui a du blanc entre la peau et le gland. Ah oui. Ah mais dégoûte, il a du fromage. Ah, putain de merde.
Le mec. Ah, mais lave-toi la teub, sérieux. Putain, espèce de. Non, mais en plus, t'as vu, il est dans sa caisse, gros. Il est dans sa voiture, ouais. Ah, mais ouais, normal, peux, pas... Non, mais le mec, il a du kiri, s'il te plaît. Ouais, un peu, il est content, oui. Il t'envoie la photo direct. Il a un peu de kiri coincé entre la peau et le gland. Il vient d'envoyer une photo, il ferait mieux de prendre une. Tu vois, Karim, t'aurais une peau. Et bah, toi, ça te. Ah, putain, ça te. Tu pourrais faire ça avec ta peau. T'as vu le kiri, là, il est là, le kiri. Ah. Mais c'est de la peine aussi, je me demande. Elle dégoûte. Oh là, elle dégoûte. Ça va aller. Oh là là, qu'est-ce qui dégoûte. C'est quoi son numéro 0689? Je lui ai dit que j'aimais bien le fromage. Oh là, je vais l'appeler pour lui dire qu'il me dégoûte. Ah bah grave. Allô Loïc. C'est Cédric. Non, certainement pas. Allez, on commence par Bi pour Dial. Alors, Bi pour Dial. Tiens, voilà. Bi pour lui, il a pas de peau, tu vois, lui, il peut pas avoir de kiri. Allô? Allô? Ouais. C'est Bi. Ouais, c'est toi. Comment tu vas? Bah, très bien, très bien. Oh. On est en train de faire ta salade, toi. Oh, ouais. Ça fait juste des gros porcs déjà, toi. Non, t'es le premier de la soirée. Oh. J'ai envie de te faire cracher vite et fort. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes avec les gros porcs comme ça? Tu fais ta pute? Tu fais comment? Tu les vois comment? Je te suce bien la bite. Tu suces la bite, tu me malaxes mes couilles, tu tires dessus, là. Je te suce bien la bite en te malaxant bien les couilles. Ouais, mes couilles de gros porc, là, de pédé, là. Il te parle d'insulter, sale pute. Ah, ouais, t'es un enculé. Je vais t'enculer ton petit trou du cul en même temps que je te suce. Avec grand plaisir. Mais comment te bite, ma petite pute, dis-moi. Comme ça, faut que tu te bite, mais les culs des vieux pédés, ça me change pas. Allez, prends-toi bien fort, j'ai envie de t'entendre cracher. Ouais. Allez, vas-y, putain. Allez, baisse-moi cette pute, ça m'excite. C'est bon, putain, de s'enculer comme ça, c'est bon, putain. Avec des bonnes petites putains, je ta pute. J'attrape tes couilles, là. Je te serre tes pieds en main en même temps. Je te les serre fort, là. Allez, vas-y. Tu veux que je te sodomise? Allez, vas-y, sodomise-moi, ça chienne. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer comme jamais. Allez, comment t'as que toi, dis-moi. T'as cru ta bite, ta petite pédale. T'as remarqué que j'avais une bite? Oui. Écoute, oui. Je te mets ma bonne queue dans le cul, hein. Oui, avec grand plaisir. Putain, c'est bon, ça. Tu parles bien, là. Oui, je parle bien. Allez, vas-y, baisse-moi. Allez, vas-y, je t'encule. Vas-y. Allez, bim. Allez, vas-y. Je te tamponne bien au fond, tu vois. Je te... Putain, c'est bon. Vas-y. Je te claque le cul en même temps. Oui, ça fait du pire. Allez, je te tamponne comme ça. Allez, baisse-moi. Baisse-moi, là. Oui. Vas-y. Vas-y. Allez, jouis maintenant, crache. Salope. Oh, putain, ça fait du bien. Tu sais que je suis pas tout seul. Ouais, t'es avec qui, dis-moi? Je suis avec un copain là, qui est en train de se masturber également. Il a une bonne bite là, c'est bon. Ah ouais, il a une bonne bite, ouais. Il aime bien ma bite aussi. Il s'appelle Cédric. C'est Cédric. Ouais, salut. Salut. Bonsoir, ça va, bébé? Bah, très bien, oui. Tu veux aller enculer là, tout à l'heure? Je suis la plus grosse salope du 9-3. Ah ouais, je vais la déglinguer, ouais. Non, par contre, c'est moi qui l'encule. Ah non, c'est pas sûr, ça. Ah si, il adore prendre dans le cul. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Ah ouais, il adore que je lui démonte le cul et pendant ce temps-là, je l'appelle la plus grosse salope du 9-3. Il adore ça. T'as un rebeu? Non, pas moi. Mais lui. Lui, oui. Oui, eux, il est belge. Si, il est belge. Mais oui, nul n'est parfait. Plus précoce, en fait. Ah, ouais, il est précoce, ouais. Ah, quand je lui mets dans le cul, il crache très vite. Tu bandes, là, tu lui touches la queue. Ah non, je peux pas, c'est... Non, non. Non, mais lui, il va te toucher. Hein. Oui, bah attends, je... Non, parce que... Attendez, excusez-moi. Ça va être... c'est ça, ouais. Ah, il a envie de me toucher la queue. Ah, t'as envie de me toucher, monsieur. Bah, t'imagines même pas, ouais. Bon, nous, on va te laisser, parce que là... Je vais la déglinguer, là. Il va falloir que je l'encule. Allez, vas-y, amusez-vous bien. Allez, bisous, ciao, ciao. À bientôt, bisous, ciao. Et ben voilà.
Et ben voilà, ce qu'on dit pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et ben voilà, emballé, c'est pesé, bravo. Voilà. Alors, Romano, ça fait quoi d'avoir fait jouer un mec en l'enculant? Ah, mais moi, j'ai rien fait du tout. T'as pris du plaisir? Oh, ça me dégoûte. Mec, gémissait là. Oh. Il était super, lui. Ah, dégoûtait, quoi. Guigui était très excité. Ah, mais terriblement, putain. Ah, mais t'as... toi là. Mais arrête tes conneries. Non, mais à chaque fois, gros. T'es... Mais Romano, tu penses que je vais bander à côté de toi comme ça? Mais écoute. C'est ça qui l'inquiète, Guigui. Ouais, c'est bien ça qui. Ah, c'est inquiétant. Oh là, attends, je vais vérifier. Ah, merci, ça, on aura le cœur net. Ah, ça va aller. Bon, bah vérifie bien, Cédric. Non, tranquille. Bon, on vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Le rendez-vous, bah tiens, le prochain, c'est demain matin, le morning.